Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve au milieu de nulle part, je suis dans le Tarn, on est parti avec des amis pour 2-3 jours. Ça fait très Hannah Montana qui débarque à la campagne. Voilà, en tout cas ça va être très sympa, là on est en train de préparer l'apéro, on va faire petit barbecue, des petits jeux et tout ça et on vous emmènera avec nous pour cette petite escapade. Voilà, notre maison, elle est immense, il y a vraiment plein de chambres puisqu'en tout on sera au maximum, on sera 6. Donc ça va être très sympa. Et là, quand on entre, il y a le salon et la cuisine. On commence avec petit apéro de Victor, qui a fait un bon thon Saint-Mauré avec petite saucisson, petite chips, petite bière. On est bien là. Et du whisky du coin, de la Montagne Noire. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange, Victor ? Ça s'appelle des bouchées du roi. Oh, du roi Victor. Du roi Victor, King of... King of... King of Alps. Le roi des Alps. Et on a Matou. King of Menhir. King of Menhir. Et Marlène, que vous connaissez bien. Et Manon, que vous connaissez aussi. Et ma petite assiette que je vais manger. Et Taylor, je ne dirais pas trop que je me suis fait un torticolis là. J'ai si froid. Alors que Victor, il est si beau. C'est comme si je me réveillais. Alors que toi. Moi, je suis à la maison de retraite. Voilà. Mais j'ai vraiment très froid. On a fini de manger, c'était très bon. Et là, on se fait des petites tisanes pour aller avec la tenue. Il est 23h30, j'ai pris ma petite douche, j'avais vraiment très froid. Du coup ça va mieux, là je vais faire ma petite night routine avec mes petits produits Caudalie de la gamme Vino Pur que j'aime toujours autant. Voilà, en tout cas c'est super sympa, ça fait du bien d'être un peu coupé du monde à la campagne avec mes amis. Du coup c'est des amis que je connais depuis la maternelle, donc des amis d'enfance. Donc c'est vraiment très sympa d'être ici avec eux. Je pense que demain on va faire plein d'activités, du coup j'ai trop hâte. Et là je fais juste ma petite night routine et je pense que je vais aller au dodo et je vous dis à demain. On part chercher des champignons dans la forêt. Quelle star! Avec son petit panier, on a quand même trouvé quelques champignons. Chaîne me retienne dans la jungle amazonienne pour le club. Car il est prisonnière, j'aime ce parfum de guerre qui donne sur moi. Que les bonnes choses à manger. Là on va partir faire une petite randonnée vers le lac tout en mitouflé avec nos vestes et nos écharpes parce qu'il fait vraiment pas chaud pour un mois de juin. Mais voilà, en tout cas il est 4h, on sort à peine de table, donc go se dépenser un petit peu. Et puis ce soir je pense qu'on va faire un petit tournoi de ping-pong et tout, ça va être super sympa. On a caché les chaussures. Vous êtes lent. Fais fonctionner ta tête un peu. Allez. Voilà. Vraiment, ouvre les yeux. Victor. Wow, c'est chaud, Vic. Tu m'as regardé, il les a pas vus. Oh. Il y en a qu'une, non? Ouais, et là. Ah, il y a ma deuxième. Ça va, appuie monopodale, ça fonctionne. Chaud, il est fermé. Chaud. Ah. Il commence à pleuvoir un petit peu. Victor est dépité. Voilà, mais sinon c'est beau quand même. Il pleut un petit peu maintenant. Il peut là. Pas il du pleut. Tout, c'est dans la head. C'est dans tes fesses. On se trompait de route, on passe par des chemins improbables, mais c'est très joli. Ouf, il fait plus froid maintenant. On a bien marché.
Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Mathilde! On est maintenant un petit peu plus tard, j'ai pris ma petite douche, je me suis mis en mode vraiment pilou-pilou pour faire les parties de ping-pong et voilà, et on s'éclate et on va boire des petites bières et petit apéro tranquillou. Balle de match dans un match très serré qui oppose Marlène à Victor. Qui va remporter? C'est Marlène! 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 Magret de canard au barbecue, miam miam. J'ai du champagne. Petit magret de canard, saucisse. Miam 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 miam. Patate. Petite patate. Miam miam miam. À table. Petit verre. Matou. On est maintenant le lendemain. Je suis encore en pyjama, il est midi. Tout le monde est parti. Adrien et Matou sont rentrés à Montpellier. Et Manon et Marlène emmènent Victor à Toulouse pour qu'ils prennent l'avion. Du coup, je suis restée derrière puisqu'on a un peu fait la fête hier et tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais me reposer et profiter de cette belle maison. Du coup, là, je suis dans la salle de bain. Je vais prendre un petit bain. Ça va être trop cool. La salle de bain est trop kiki d'ailleurs. Voilà, avec petite vue. C'est vraiment trop beau. Avec les petits moutons. Voilà, petit lavabo et tout. Donc très sympa. Et voilà, et puis je pense que je vais un petit peu profiter, glandouiller et attendre que les filles reviennent puisque Manon et Marlène reviennent tout à l'heure. Donc let's go. Petit update, ils sont partis depuis 3 heures. Jusqu'ici, tout allait bien. Et maintenant, je sais pas, ça commence à flipper là. En fait, bon, ça a commencé par des petits trucs, mais genre la machine à laver, j'ai l'impression qu'elle est cassée parce qu'elle a pas essouré le truc. Je me pose, je commence à lire dans le canapé, et là, je vois le lustre qui fait de la lumière. Et après, il s'éteint. 2 secondes après, une alarme de fou se déclenche. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle est dans la maison parce que voilà. Et depuis, plus de réseau. Donc là, je suis coupée du monde alors qu'il y avait du réseau depuis qu'on est arrivé. Donc je peux plus contacter Manon, je sais pas quoi faire et voilà, j'ai hâte qu'il rentre. Donc je pense que je vais aller dehors profiter un petit peu du soleil et tout ça parce que ben normalement j'ai, enfin, je suis pas une flippette mais bon quand même quoi. Donc voilà, je sais pas si tous ces éléments ont quelque chose en commun, mais c'est flippant. Quelle aventure aujourd'hui, je viens de me prendre un bateau dans l'œil qui est tombé avec le vent. J'y vois plus. L'aventure de la journée. Oh là là. C'est genre ça qui m'est arrivé dans l'œil. Ça fait mal, punaise. Ouh. Je vais rentrer, hein, c'est plus safe. Je découvre des pièces de la maison, mais cette pièce, excusez-moi, elle est beaucoup trop stylée. Incroyable. Beaucoup trop fan, toujours avec la petite vue sur le jardin. Et voilà, incroyable. Elles sont revenues. On est maintenant le lendemain, le séjour à la campagne prend fin, on va repartir à la civilisation. En tout cas, on a vraiment passé un super moment entre copains, c'était vraiment top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.